Puy-Chabon est une commune située dans le nord-ouest du 34. En occitan, Pueg, Abon signifie site élevé. La commune est drainée par l'Hérault, le ruisseau des Corbières et du Grigoulet. Elle compte 506 habitants. Il existe deux églises dans le village, mais la seule église que nous croiserons sur le parcours était l'église de Saint-Sylvestre-des-Brousses, de style roman, occupée pendant 600 ans par les plus bénédictins qui la quitteront en 1658 pour l'église de Saint-Pierre de Puy-Chabon. La paroisse Saint-Sylvestre est mentionnée en 1100 dans l'acte de donation d'une terre d'Agnane. Ah, on voit un peu d'effort, tu vois, pas comme d'habitude au pastis. C'est un côté et le reste quand même. D'un plateau calcaire aux gorges de l'Hérault, ici l'eau a façonné les formes du paysage et détermine la végétation. S'infiltrant rapidement par les multiples fissures des roches calcaires, elle est peu disponible en hauteur, d'où la sécheresse du cos. De ce fait,
des rivières souterraines qui coulent sous les monts de Saint-Guilhem du Désert et ses alentours, et sont à l'origine des grottes de Clamousse. Il existe à ce jour trois ponts. Le pont du Diable, chef-d'œuvre de l'art roman construit de 1025 à 1031, il existe une légende que je vous raconterai à notre retour. Le deuxième pont, l'aqueduc du canal de Gignac, construit fin 19e siècle, apporte de l'eau aux plaines agricoles. Ce canal, au départ, a servi pour lutter contre le phylloxéra en inondant toutes les vignes. Aujourd'hui, il sert seulement à l'irrigation. Le pont routier construit en 1932 suite au développement tout simplement de la région et des automobiles. Chaque matin, en arrivant sur les lieux, que les travaux réalisés la veille sont systématiquement détruits. Wow. Les deux congrégations monastiques, j'y étais, comprennent très vite que leur projet subit des sabotages non plus. L'interpelle alors, Nono, que fais-tu? Satan, je t'ai reconnu dans ton ridicule apparat. Pourquoi dévastes-tu l'ouvrage de mes villages? Et après 3 jours et 3 nuits, il retourne avec ses frères sur le pont pour constater la fête de demander à Nono la sauter. Hein. Et creusa le gouffre noir. Parfois, d'après les rumeurs en période de crue, la colère du diable semble se réveiller et ses hurlements surgissent du fond du gouffre. Tremblez, tremblez.